Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous prends sur la toile perlée Hortensia. Je vous remontre le dessin. Voilà. Je sais pas, ça sonnait. Ça a vibré sur ma montre, c'est rien. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Bon, j'ai déjà commencé un petit peu à en faire. Donc là, je vous avance un petit peu. Donc là, on est vendredi. Alors, comme je l'ai mis sur QSnap et que j'avais plus la légende, j'ai fait une photocopie. Donc elle est à côté de moi et elle ira dans le patron. Donc je ne sais pas si j'arriverai à vous prendre mon temps parce que depuis ce matin, j'ai un mal de crâne pas possible. Je pense que j'ai dû prendre froid au cervical ou mal me dormir, donc 17. Je vais les mettre un peu plus par là pour être moins gênée. On a un vent pas... Alors, ce matin, on avait un peu de soleil. Là, on a un vent pas possible. Apparemment, ils annoncent de la pluie pour cet après-midi. Ben, jusqu'à maintenant, il n'a pas plu, mais il fait gris phénoménal. Donc, je pense que ça va... Ça va flotter. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Attendez. Mais oui, je vais pas piquer dans le bon endroit. J'allais dire, c'est vachement haut. Ben oui, parce qu'il y a un petit décalage sur la toile. Donc là, c'est... Oui, c'est la deuxième. Alors, attendez. Que je fasse pas de bêtises. On recommence. Ah bah zut alors. Bah oui. Je suis vraiment pas au bon endroit. J'ai sauté une perle. Voilà. C'est beaucoup mieux. Donc je maintiens toujours ma toile avec mon petit chien que vous voyez à l'écran. Donc là, j'ai changé de méthode. Quand je suis sur QSnap, je fais la croix entière. C'est un peu plus compliqué de passer le fil à travers toutes les perles. Donc là, exceptionnellement, je fais mes croix entières. Et c'est bien, le fil se prend dans les perles déjà posées. Donc j'espère que vous avez un beau temps. Bon, apparemment la semaine prochaine il fera beau, bah beau. Il fera un peu meilleur, il en a rallumé un peu de chauffage parce qu'il faisait froid. 13, il est où le 13? Non. Hop. Le petit il a été à l'école ce matin, il n'est pas court cet après-midi. J'ai reçu un message du lycée. Bon, après, ça ne concernait pas mon fils, mais comme mon fils est externe, parce qu'il rentre le midi manger, c'est pour les internes et pour les demi-pensionnaires. Ils sont obligés de manger le vendredi à midi.
Et après seulement de sortir du lycée. Et de prendre le bus ou pas de sortir à midi. À moins d'avoir un courrier des parents ou un mail que les parents signalent que tous les vendredis ils quittent à midi sans manger à la cantine. Parce que qui mange ou qui mange pas. Attends, j'ai perdu ma perle qui est dans le rond là. C'est facturé quand même. Donc, je sais que la semaine dernière, il y a un camarade qui est venu manger à la maison. Il m'avait demandé, j'ai dit oui. Et là, je pense qu'il n'a pas pu sortir le gamin. À moins que ses parents ont fait le nécessaire. Parce que je crois que sa maman a travaillé au lycée. Donc, elle doit savoir les lois. Ou les règles à suivre. Là, je me suis mis du réflexe, c'est un spray anti-inflammatoire au niveau du cervical, parce que j'avais ma tête qui allait exploser. Je n'en pouvais plus. D'ailleurs, j'étais mal allongée dans le noir. J'ai un peu moins mal. Là, je me suis levée, j'ai pris un doliprane. Bon, ça va pas faire effet, hein. Grandement effet, parce que je suis sous la maline d'habitude. Donc, je sais que. Mais bon, je vais pas trop prendre non plus de la maline. Donc, j'ai eu mes résultats de prise de sang. J'ai dû appeler l'hôpital. Donc, entre midi, j'ai appelé. Le service ambulatoire pour lundi parce que je suis en hausse au niveau des comment que ça s'appelle du VMG. Alors c'est volume globulaire, je sais plus, volume globulaire moyen. Donc elle m'a dit, bah, écoutez, j'ai pas de médecin à côté, je peux pas vous dire ce que si c'est si vous ben, si on maintient l'hospitalisation 2 jours ou pas pour lundi. En fait, il faut appeler le chirurgien qui vous fait l'intervention. Donc j'ai attendu 1 heure et demie. Parce que je croyais. Ben, la secrétaire, ben, elle a. Je crois que c'est 1 heure de pause. Donc, j'ai appelé tout de suite à 1 heure et demie. Elle fait, bah, écoutez, je peux pas vous dire, je ne sais pas. Elle me fait, je vais aller voir le médecin et je reprends. Mais j'ai là, il me dit, non, ça gêne pas. Il m'a dit que vous risquez de faire une. Bah, que vous risquez, que vous faites une anémie. Donc, lui, il va rien me donner. Je pense pas. Je lui en parlerai en sortant du bureau. Ben, s'il viendra. Attendez, il est où mon trou? Non, là, ça m'a l'air. Oui, c'est là. Parce qu'il passe toujours en chambre après. Parce qu'ils nous disent ce qu'il en est en salle de réveil. Mais on a tellement la tête dans le ouf que qu'il repasse en chambre pour nous dire s'il a trouvé quelque chose ou pas, quoi. Donc apparemment, parce que sur le. Je vous avais parlé de l'application de l'hôpital. Et apparemment, la dernière. Je dis opération, mais c'est pas. Examen, on va dire comme ça. Que j'ai fait, il y avait des polypes non analysables. Dans les intestins. Donc à voir. S'ils arrivent à
Bah, s'il arrive à en rattraper là, et si j'en ai encore, du moins, de les analyser, quoi. Et comme j'ai eu ma tante qui a eu le cancer des intestins, bah, je tends le dos, quoi. D'ailleurs, elle en est décédée, la pauvre. Ben, elle n'est pas décédée du cancer parce qu'elle est en rémission. Elle est décédée du Covid. Le 18. Ça fera 3 ans au mois de janvier. Comme ça, quand j'ai fini mon fil, après, bon, je le rends toujours en dessous. Je passe dans la trame et dans le fil à deux endroits différents. Comme ça, je sécurise le travail. J'ai toujours peur que ça sauve. Bon, si j'avais attrapé, parce que là, maintenant, c'est loin. Je vous ai dit que je vous reprendrai sur les hortensias. Ça va faire joli quand même. C'est très très beau. Bon, je suis encore pas à la moitié. J'y suis loin d'ailleurs. C'est combien qui fait le patron? C'est 70. Et j'en ai fait une, deux, trois. Fini la troisième, ouais, donc il me faut encore un carré. Là, je serai vraiment à la moitié à peu près. Ouais, ça fait même 35. Ouais, donc c'est encore jusqu'ici, quoi. Ouais, c'est ici au milieu. Ouais, quasi à la moitié déjà. Mais bon, là, il y a du boulot, hein. Dans la fleur. Alors, du 13. Il y a du boulot, il y a du boulot. Donc ça y est, mon mari, ben, ce soir, il sera en vacances pour une semaine. C'est pour ça que je vous fais une vidéo là maintenant. Parce que je ne sais pas si j'arriverai à faire encore une ou deux peut-être vidéos. À voir demain s'il se lève pas trop tard. Ben, s'il se lève tard, tant mieux pour moi, je vais pouvoir faire une autre vidéo. Parce que ce matin, je me suis levée un peu tard. Plus mon mal de crâne, j'ai dit non, laisse tomber, je fais pas de vidéo. Elle est où? Elle est où la cocotte? Ben voyons. Je vais reculer mes perles avant de les foutre par terre. Ben, je sais pas où je les mise. Oh, elle va être par terre. Bon, c'est pas pour une perle. J'en perds pas des milliers. Ah ben elle est là. Pour l'instant, elle va retourner dans le dans le dans le dans la barquette verte. Alors hier, j'ai pas fait. Qu'est-ce que j'ai fait hier soir? On a regardé HPI. La nouvelle saison, là. Bon, ils en ont mis 4 de 9, hein. De neuf, de nouveau. Après, c'était des rediffs. Donc, mon mari m'a dit, tu as regardé ou pas la diable? J'ai dit, ben non. Il me fait, bon, ben j'éteins et je vais me coucher. Alors, moi, j'étais au lit à minuit et quart. 3h15 du matin, j'étais déjà réveillée. Oh, j'ai dit, non, c'est pas possible, ça recommence. Donc, je me suis levée, j'ai mis mon pyjama. Mon pilou pilou, j'avais mal aux dents, donc j'ai pris un cachet, j'ai fumé ma clope et j'ai dormi sur canapé.
pour pas réveiller mon mari. Parce que quand c'est comme ça, je m'endors avec des vidéos. Donc j'ai regardé Shania. Donc je l'ai re-regardé ce matin puisque je ne l'ai pas vu en entière. D'ailleurs, j'ai pas été. Alors mes colis AliExpress, je les aurai certainement ou samedi ou lundi. Parce qu'ils sont. J'ai regardé la mise à jour des notifications AliExpress. Et c'est dans le. Comment qu'ils disent, local transporteur, c'est ça? Livraison local transporteur. Donc je l'aurai certainement demain. Alors ça c'est côté tricot. Je vous avais dit que je m'achèterais les trios, je sais plus quoi là. Alors, croix verte. Croix verte, c'est du 13. Hop. Je la prends dans la main. Et pour Temu, c'est encore dans l'avion. Donc je pense que ça va aller certainement à Paris. Donc il y en a un que je dois être livré avant le 17, autrement j'ai avant mardi du coup. Autrement il me rembourse 5 euros de dédommage. Et l'autre c'est avant le 19 septembre. Donc je vous montrerai ça en temps voulu. Alors la croix verte, c'est du 13. Alors j'ai le grand qui a été un entretien cet après-midi parce que ce matin il avait rendez-vous avec la mission locale. Donc elle lui a parlé d'un service civique qui est recherché à 100 mètres de chez nous. Donc il a envoyé le CV, ils l'ont appelé, il avait rendez-vous à 14 h. Il y a été, il a des choses à faire, comme une visite médicale. Le fichier, non, comment que c'est? Mince, je sais plus. Le casier judiciaire, voilà. Bleu clair, c'est du 14. Et je suis en train de chercher le trou de ma perle. Et bah, je dis ça, c'est pour internet. Il me faut OK. Il faut que je l'aurai dans la journée. Il dit, ah non, c'est par courrier, comment ça? Bah oui, c'est comme ça. Il faut OK. Et carte de sécu, carte d'identité. Il commencerait le 1er octobre. Donc c'est déjà ça. Comme je lui ai dit, t'as pas de frais à voir. C'est à côté, t'as 5 minutes du lieu de travail. Voilà, hein. Il m'a dit ouais c'est cool. Et il devait faire un 24 heures, mais comme c'est il y a des vacances scolaires, comme c'est à l'école, alors là je passe en dessous de ma trame et de mes fils. Il travaille 30 heures, donc payé 24, comme ça pendant les vacances scolaires, il a une rémunération. Il était d'accord sur tout. Il aura une formation à faire, secouriste et un autre truc, je pense un truc pour les enfants. Un truc genre pas CF1, CAP, petite enfance, là, un truc qui est
comment qu'on dit? Je sais plus. Non, je suis pas un petit con. On a un soleil qui repointe le bout de son nez. Attendez. Ah, je vous mets sur pause. Bon, je vous reprends. C'est juste le gamin qui descendait pour manger 2-3 beignets que j'avais sortis du congélateur. Donc là, je fais. Moi, j'essaye de faire un double nœud. Donc pour arriver à les mettre un sur l'autre, je ferme pas tout à fait le premier. Je refais un nœud. Et je serre. Et en principe, c'est un sur l'autre. Je vous remontre. Voilà. Donc là, je tourne mon Q-snap. Je passe mon fil. Je vais le passer par là. Voilà, hop. Je retourne. Je reprends ici. Oh, le fil est grand, donc. Donc là, c'est. Je vois pas avec le fil. Les traits. Vert, c'est du 16. Donc je reprends. Hop, je fais ma croix. On tire un peu, hein, toujours. Je vais juste bloquer avec le chien. Comme ça évite de se barrer, bah de bouger. Pour vous, c'est mieux pour le vos yeux. On va finir la ligne avec vous. Après, je me mettrai de côté. Un petit peu hein, sans en tirer comme une âne, ça sert à rien parce que ça risque même de d'abîmer la trame. Alors là c'est du 17. Après je vais me préparer un litre de café parce que le mien il n'est pas très chaud. Ouais, j'ai mis un gros pull. J'étais en t-shirt ce matin, j'étais bien avec le soleil, mais là. Plus j'ai mis une écharpe. À cause de mon mal de crâne. Comme ça, ça me tient mes cervicales au chaud. Attendez, il y a un truc. C'est pénible quand c'est sur Q-snap comment vous dire, ça, le fil coince ou dans les perles ou dans la toile. Donc là c'est du 18. Donc là on est dans la fleur, donc c'est du bleu clair, du bleu foncé, un peu de blanc il y a.
Après, c'est du 16. Mon mari va pas tarder. Alors, si je vous coupe, c'est qu'il est arrivé. En principe, c'est 16 heures à lui. À moins que. Après, ça peut arriver qu'il soit un peu. Bah, un peu en retard. Il est jamais en retard pour rentrer, quoi. Mais le monde sur la route, les bouchons. Il m'a appelé, il m'a dit. Il est rentré, il était tard. Il était plus de 19 heures, quoi. Il avait été bloqué dans les bouchons. Alors. C'est une croix verte, c'est du 13. Parce que j'avais même pas vu qu'il y avait plus de. Ben, ça filmait plus. Après, mon mari il est rentré. J'ai le petit ben qui était descendu, il est remonté. Là, c'est. Du 17. Donc, je vous reprends un petit peu. Je perds tout, j'ai dû ressortir du 5 pour une perle. Donc là après je vais faire le montage de cette vidéo. Je vais continuer de mon côté. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis, je vous souhaite de passer une très 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 bonne journée, après-midi, une bonne soirée. Suivant à l'heure que vous avez regardé cette vidéo. Je vous dis au revoir. Bye bye tout le monde.